Notre deuxième lauréat, donc, qu'on va appeler tout de suite, eh bien lui, je vais dire, c'est quelqu'un qui a sauvé des milliers de vies en Afrique, et il va nous expliquer pourquoi. Et dans l'action humanitaire, donc c'est le trophée de l'action humanitaire, qui est dédié à monsieur le docteur Suhail Mishra. Alors, le docteur Mishra, il est pharmacien en région parisienne, donc juste pour vous le présenter, il est le directeur général de la fondation Filia Foundation, qui est une fondation suisse, et ça fait 30 ans qu'il est dans l'action humanitaire, avec une certaine philosophie, parce que l'action humanitaire, même quand ça se passe en Afrique, sa philosophie, c'est que c'est très important pour la France, c'est très important pour l'Europe également. Il va certainement nous expliquer peut-être dans deux mots. Alors, allez-y, mon cher... Mesdames, messieurs, cher Habib, cher Gorbi, très très heureux d'être là aujourd'hui. Franchement, c'est une grande émotion. L'émotion, c'est ce qui me guide, c'est ce qui me dit toujours. Ça prend aux tripes, parce que je ne pense pas qu'on puisse faire ce travail humanitaire si on n'a pas les tripes accrochées. Et tu le sais, parce que tu m'as accompagné en Afrique. Alors, l'émotion, elle est liée aussi à la Fondation Filia, toute l'équipe, mais surtout, toutes les associations locales avec lesquelles on travaille main dans la main. Et surtout, ces enfants et ces femmes, parce que nous, on se consacre aux enfants et aux femmes, qui, malheureusement, souffrent particulièrement en Afrique. Alors, quand je vois M. le maire, dont j'ai lu, en plus de la biographie, je peux l'envier. J'ai beaucoup de respect pour tous ces maires qui travaillent. Pourquoi je fais la corrélation? C'est dans le même type d'esprit. On travaille comme un maire sur le terrain, parce qu'on ne sait pas, les maires sont sur le terrain, donc beaucoup de respect pour vous. L'émotion par rapport aussi à plein d'histoires que je pourrais vous raconter, à Bible C, je pourrais passer 2 heures à vous raconter, mais il y en a 2 ou 3, mais je vais m'arrêter sur 2. La première, un peu moins gaie, la deuxième, beaucoup plus joyeuse. La première, c'est je suis au Niger, à 300 km de Niamey, à Douchi, là, un endroit où il y a nos chers Boko Haram qui menacent beaucoup la population sur place, malheureusement. Et il y a un papa, un grand-père qui vient me voir, et qui me dit, viens soulager ma fille. Donc on y va, on soulage sa fille. Et après ça, parce que ça va vous choquer sûrement, mais culturellement ça ne me choque pas, il vient, il m'offre 2 bébés, ce sont ses 2 petits-enfants. Il me dit, c'est pour toi, tu les emmènes avec toi. Alors évidemment, vous imaginez l'émotion, les larmes. On a décidé de les parrainer, et malheureusement, une semaine après, ces 2 jumelles sont décédées. Elles sont décédées d'une chose très simple. Malheureusement, tout le monde, je pense que tout le monde le sait, d'une maladie terrible, qui est la faim, la malnutrition, qui tue plus de 9 millions de personnes dans le monde chaque année. Ça, c'est pour mettre en relief ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, dans les 9 millions, c'est 10 000 enfants qui meurent chaque jour de faim dans ce monde, ce qui laisse un certain gap. Donc ça, c'était pour plomber un peu l'ambiance, je suis désolé. Mais la deuxième histoire sera beaucoup plus joyeuse. Là, Habib m'a accompagné, on était au Sénégal, on a rénové une école de A à Z, et là c'est comme ma mère qui décide de dire on rénove cette école, mais je parle de rien, on parle de terrain vide, à quelque chose qui ressemble à n'importe quelle école qui serait dans le village, ce serait Charmer que j'ai vu, qui est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est pas que l'école soit belle, ce qui est magnifique, c'est les 1000 enfants qu'on voit arriver avec un sourire énorme et qui ne reconnaissent même pas leur école, ils ont pensé que c'était une sorte de club med, parce qu'il y avait un club de foot, un terrain de basket, évidemment. Les médiathèques, les bibliothèques, sachant qu'il y a des enfants qui n'ont jamais vu un ordinateur. Mais une chose à laquelle on peut aussi souligner, c'est les 42 toilettes, parce que malheureusement, il n'y avait pas de toilettes dans cette école, donc on a tout rénové. Donc on imagine le sourire énorme de ces enfants. Alors maintenant, je rebondis très vite, quand je fais vite. Pourquoi le trophée des territoires? C'est parce que le sens qu'il y a par rapport, encore une fois, je vise les maires, parce que quand je suis en Afrique, le rêve de tous ces Africains, c'est quoi? C'est de venir ici, évidemment. Et donc malheureusement, on voit dans certaines villes, et là où je suis, dans 93, arriver des gens et je leur dis, c'est pas peine de venir, vous allez dormir sous les ponts. C'est pas du tout le paradis, vous croyez. Mais ils n'arrivent pas à le croire. Donc la seule mission qu'on a, c'est réellement de faire en sorte qu'ils restent sur place. Et pour cela, il faut les aider à améliorer l'éducation et la santé, les 2 domaines sur lesquels je travaille. Merci, voilà. Docteur. Merci. Voilà, mon cher, c'est un grand merci. Bonjour, donc Zouhair Mishra, managing director de la fondation Filia sur Genève. Donc je suis ici au titre du trophée des territoires de l'action humanitaire. Beaucoup d'émotions, et beaucoup d'émotions qui sont liées pas spécialement à moi, mais je pense à tout le travail de Filia Foundation
à toutes les associations locales avec qui on travaille en Afrique. Donc c'est beaucoup d'émotions. Et beaucoup d'émotions liées aussi à toutes les histoires qu'a traversées depuis tant d'années dans l'action humanitaire.